cette série télé DVD et l'adaptation de votre best-seller Métronome sorti en 2009 qui s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires. Il aura fallu 5 ans de travail, je crois, pour aboutir à cette adaptation-là. Vous avez beaucoup hésité avant de vous lancer dans l'aventure. Pourquoi? Vous aviez peur qu'on empiète encore sur votre jardin secret, votre Paris secret? Mais oui, et puis surtout qu'après ça soit systématiquement perçu comme une démarche commerciale. J'ai réussi donc à raconter ma vision de l'histoire de France avec Métronome dans mes parcours parisiens. C'est un livre que je m'amuse à rappeler que j'ai écrit avec mes pieds, vraiment, au gré de mes promenades, de mes surprises et de mes rencontres avec des Parisiens. Et je l'ai ensuite décliné avec une version illustrée parce qu'il y a beaucoup de gens qui me reprochaient un manque d'illustration, d'iconographie, de plans surtout, et des gens qui n'avaient pas la chance comme nous d'être proches de Paris pour pouvoir par eux-mêmes venir se rendre compte des choses que j'évoquais dans mon livre. Donc cette deuxième opus était plus que rendu évident à faire. Maintenant, en faire encore une nouvelle déclinaison en documentaire, voilà, j'ai un peu hésité parce que ça commence à alourdir la table, quoi. Et il y a un moment où le guéridon va pas tenir, donc il faut savoir s'arrêter. Pour obtenir ces 4 épisodes, il a fallu faire des choix parmi les 370 pages du livre. La sélection a dû être drastique, voire douloureuse. Oui, mais ça a été comme quand il a fallu fabriquer le livre. C'est tellement facile de recenser, de compiler, de collectionner les événements, les anecdotes sans fil directeur. Il n'y a pas plus simple à faire. Il suffit, voilà, d'avoir un bon bloc-notes ou pas mal de place pour finalement accumuler les renseignements sans les ordonner et sans les distinguer les uns par rapport aux autres. Toute la difficulté est de choisir pour finalement rendre les choses orienter suivant ce que vous avez envie de dire. Donc ça a été un premier travail très très dur pour le livre. Donc finalement pour le documentaire, je m'étais déjà plié à ce sacrifice-là. Donc c'était un peu plus aisé de choisir les épisodes les plus spectaculaires, les plus truculents, les plus divertissants, ce qui allait, je pense et j'espère, le plus captiver le public. Donc il a fallu supprimer surtout tout ce qui était de l'ordre de la date et de différents personnages qui étaient un peu... voilà, un petit peu austère, sévère, impavide. J'ai préféré les personnages hauts en couleur pour qu'ils donnent un peu de souffle au documentaire. Paris, l'histoire de France et vous, c'est une passion qui dure depuis 20 ans. Est-il vrai que l'envie d'explorer Paris vous est venue, explorer Paris hors des sentiers battus, s'est manifestée lors d'une visite dans les catacombes, avec le choc ressenti en face des sculptures de Port Mahon? Ouais, dans les années 90, j'ai fait partie de ceux qu'on appelait les cataphiles, enfin il en reste encore, mais la plupart des entrées maintenant sont bouchées. Pour ceux qui se souviennent de l'entrée de la rue de Tournon, qui était un peu le piège que nous tendait la police pour choper les mecs qui descendaient. C'était la dernière bouche d'égout encore accessible, et évidemment, c'était celle qui était surveillée, quoi. C'était vraiment le showstrap. Et j'ai fait partie de ce petit mouvement-là, enfin, ça continue encore, mais moi j'ai été initié par des cataphiles et ça m'a donné le goût et le plaisir d'aller vers ce qui est un peu underground, un peu caché, un peu ce qui n'est pas présenté, ce qui ne se trouve pas dans les guides. C'est comme ça que ma passion pour Paris est devenue vraiment, s'est transformée en chasse au trésor. Et ensuite je me suis intéressé à des mouvements comme ceux de Lazare Kuntzman, pour ceux qui connaissent ce type-là, qui s'amuse à réhabiliter des monuments, des choses qui font partie de notre patrimoine mais qui ne sont pas entretenues. Et il le fait lui-même. Et il y a cette fameuse histoire du Panthéon, l'horloge du Panthéon, où le type il s'est pointé devant le gouverneur, enfin celui qui s'occupe, le conservateur du Panthéon, qui était dans son bureau. Il est arrivé le voir et lui a dit, ben voilà, ça fait 6 mois qu'en fait d'une manière clandestine, on est dans les entrailles du Panthéon et qu'on a réparé l'horloge, donc dans 3 minutes elle va sonner et après vous pourrez me faire un procès. Et l'horloge a sonné et le mec a pas fait de procès à ce groupe-là. Enfin, voilà, c'est des gens formidables et je me suis un petit peu glissé dans leurs pas pour récolter leurs souvenirs et leurs anecdotes. Les catacombes, justement, les entrailles de Paris, c'est le calque de la ville. C'est là que réside la mémoire de la ville, selon vous? Ouais, je me suis amusé à dire ça, je crois. Dans les bonus. Ouais, parce que c'est vrai que quand vous êtes dans les galeries souterraines, dans les carrières, surtout donc de la rive gauche, vous avez la nomenclature des rues qui est encore là, même donc des rues qui ont été renommées au 19e ou au 20e siècle, mais qui, elles, sont encore dans l'état dans lequel elles étaient à la fin du 18e et dans le 19e siècle, au début du 19e siècle, quand on a refait un petit peu les galeries. Et vous avez encore ces noms de rues qui sont là. Et c'est vrai que c'est le calque, c'est un petit peu la mémoire originelle de la ville qui n'a pas été tourmentée par les 2 derniers siècles écoulés qui ont vu passer bien des choses. Alors, est-ce que la multiplication des digicodes et autres fermetures d'accès ont rendu au fil des ans plus compliquée votre exploration des recoins de Paris et de ses voies privées, entre autres? Oui, en 10 ans, ça s'est vraiment accéléré d'une manière phénoménale. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui essayez un petit peu de retrouver les traces d'un Paris un peu plus secret, un peu plus dissimulé, mais le privé l'a vraiment emporté sur l'espace public et sur le collectif, j'ai envie de dire, et c'est vraiment préjudiciable parce que maintenant tout est interdit et c'est le meilleur moyen de perdre les choses, de les voir disparaître. Quand au nom de l'intérêt privé on dit oui mais c'est parce que ça abîme, il y a trop de passages, il y a trop de trucs, ben, c'est le meilleur moyen pour que ça soit sauvegardé au contraire. Je pense que le péril naît de la confiscation et ensuite on le voit après dans une autre étape quand les choses sont carrément placées ailleurs, dans des musées, dans des réserves, dans des choses comme ça, mais on n'en a plus idée quoi. Et quand la mémoire collective vivante, celle qui se circule, qui bouge, qui se retrouve un petit peu dans son quotidien nez à nez avec ce patrimoine-là, quand on la prive de ça, eh bien je pense hélas que c'est la meilleure garantie pour que ça disparaisse. Alors le premier épisode qui figure dans ce double DVD s'achève sur le 5e siècle de Clovis. Fabrice Sourlier, le réalisateur, a dû un peu galérer quand même pour illustrer le premier épisode, ou pas? Ah oui, parce que plus on remonte dans le temps et moins on a d'archives et moins on a d'iconographie, ou au contraire, les images qu'on a ne sont pas des images contemporaines. C'est un petit peu facile de dire ça, mais on a que des souvenirs apocryphes de ces époques-là, donc... Il faut être un petit peu plus se fier un peu plus et accepter de se fier à l'hypothèse, à l'hypothétique, à des images qui ne sont pas forcément d'une réalité certaine, mais au moins qui ont le mérite d'exister et qui sont les images qui nous permettent de nous figurer les choses. On a besoin d'images, on a besoin à un moment de quitter le texte pour que les idées s'imprègnent mieux dans la tête, et ça se fait mieux avec des images, effectivement. Alors justement, vous parlez d'images, les reconstitutions en 3D constituent le réel atout de cette adaptation. C'est aussi une façon de faire revivre le passé, avec le risque peut-être de le magnifier un peu trop, peut-être. Malheureusement, il y a des fois où on est tenté, un peu comme vous voyez, des gens comme Viollet-le-Duc au 19e siècle, de montrer les choses non pas telles qu'elles ont été effectivement, mais telles qu'elles ont été voulues, désirées, mais que dans les faits ça ne s'est pas réalisé. Et alors quand c'est 4 siècles, je parle par exemple pour Notre-Dame ou des choses comme ça, quand 4 siècles après on a plus de... 6 siècles après, on a plus de techniques et de moyens, d'outils pour pouvoir peut-être correspondre avec les rêves de l'architecte premier. Peut-être qu'on se laisse tenter effectivement à représenter les choses telles qu'elles étaient désirées et non pas telles qu'elles étaient réellement. Parlons de la Vox Populi, celle des téléspectateurs de France 5 qui ont été très très nombreux à suivre le premier, encore plus le second épisode. 960 000 téléspectateurs pour le second épisode, j'imagine que c'est des scores qui vous rendent très heureux. Oui, oui, parce que évidemment j'ai d'autres choses derrière la tête et puis c'est la première fois que je suis producteur de quelque chose. Donc vous savez, quand vous êtes comédien, vous êtes tenu à un rendement, ou en tout cas à ce qu'on appelle un retour sur investissement. Et donc au cinéma, il faut faire plus d'1 million d'entrées, à la télé, il faut faire plus de 20% de part de marché, et quand vous faites un documentaire, il faut faire plus de 5%. Et donc ouais, on a besoin, c'est plus que des chiffres, c'est des gens derrière tout ça. Et on a besoin de soutien. Je suis pas acteur dans ma salle de bain, j'ai envie de... C'est pas séduire, mais en tout cas j'ai envie d'être entendu quelque part. C'est pas orgueilleux de dire ça, c'est simplement pour ça qu'on fait ce métier-là. C'est qu'on a envie que notre histoire soit entendue par le plus grand nombre, et surtout qu'elle distrait et qu'elle divertisse le plus grand nombre. Vous dites que vous avez quelque chose derrière la tête ? Non, je suis en train de développer... J'écris un autre livre sur l'histoire de France. Et qui aura une vision un petit peu plus élargie, non plus à Paris, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres choses à dire que de parler de Paris et de se concentrer sur Paris. Moi maintenant, il faut que je passe faut que je m'en éloigne, il faut que je sois un peu sevré de cette ville-là, parce que je m'amuse à dire ça, mais dès que je vais acheter le pain, on est persuadé que j'ai découvert un caveau mérovingien. Il est temps que je passe à autre chose. Oui, mais ce DVD va être très utile justement pour les non-parisiens. Ouais, j'espère qu'il permettra déjà qui donnera envie aux gens de venir à Paris et de se glisser un peu dans nos pas, nous franciliens, dans cette ville merveilleuse qui est un cadeau, qui est une des... sans hésiter, alors je vais faire des gros poncifs, mais c'est une des plus belles villes du monde. C'est là où on a un patrimoine, un des patrimoines les plus variés, et c'est un bonheur que d'habiter cette ville, donc c'est vrai que Métronome est un appel d'offres. Ben c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Lorànt Deutsch, on peut vous applaudir. Merci, monsieur.